Bonjour chers amis d'ici et d'ailleurs, nous sommes ici actuellement à Guiglo, le chef-lieu de région du Cavali, où le président Laurent Gbagbo, depuis hier à Diokwe, avait convoqué tout le peuple ouais pour un message fort au peuple ouais des deux régions du Guémon et du Cavali. Nous sommes ici à la place Félix Houphouët-Boigny de Guiglo. Et déjà, vous voyez depuis votre position une mobilisation de taille pour un accueil chaleureux à l'endroit du président Laurent Gbagbo, président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, qui tout à l'heure sera sur cette place pour s'adresser à ce peuple qui s'est déplacé massivement pour venir, ou dirais-je, pour répondre à sa convocation. Et c'est ici que le message politique va se tenir en ce jour par le président Laurent Gbagbo, enfin de s'adresser véritablement au peuple ouais qui a souffert le martyre, le génocide, et depuis la rébellion qui a commencé en 2002, jusqu'à la crise post-électorale de fin 2010-2011. Et à la suite de tous ces événements, le président Laurent Gbagbo s'adressera à nous, à vous, au Cavali, au Guémon, au peuple ouais. Il a dit hier, j'étais... Donc comme ça déjà, depuis votre position, nous vous saluons chers amis et camarades et nous vous demandons de partager au maximum ce direct parce que c'est dans ce lieu aujourd'hui que le président Laurent Gbagbo va s'adresser à tout le peuple ouais, des deux régions du Cavali et du Guémon. Je vais faire quelque chose, il faut me suivre. On y va. De cet écran à ces paf, je demande à tous ceux qui sont ici, en 5 minutes de attention, de pousser des cris de joie parce que le président Laurent Gbagbo est revenu en Côte d'Ivoire, est venu apporter sa compassion au peuple guéri. Beaucoup de bruit. Partagez au maximum ce direct. Mettez-y des cœurs, des likes. Parce que nous allons vivre ensemble ce grand moment de joie, ce grand moment d'émotion. Le président Laurent Gbagbo tout à l'heure sera sur cette place, Félix Houphouët-Boigny de Guiglo, pour nous apporter le message de sa vision concernant la création non seulement du PPAC, qui est le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, et pour partager également sa vision aussi de la nouvelle vie que le peuple ouais doit adopter concernant la politique ivoirienne. Merci. En tout cas, la marche, ça fait 1-1. Je viens tout à l'heure. Et donc, le peuple ouais est un peuple généreux. Nous savons qu'il y aura aujourd'hui encore des dons. Pour ceux qui veulent faire des dons, je suis arrêté en face de vous et à ma droite, il y a une table. Pour les dons, voyez M. Louédé, Justin Julien, pour vos dons. Nous sommes ici à la base de la délégation du grand parti qui a implanté les fondements de ce pays, qui est le PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Dirigé par le président Henri Conan Bédié et du soutien. Je parle de Henri Conan Bédié et du soutien. Le PDCI est dans la place et la Côte d'Ivoire est
du moment. Je m'en vais rappeler que le président Émile Colombédier est allé rendre visite à son jeune frère le lundi 20 juillet 2019 à Bruxelles. Nous-mêmes en parlant ce jour. Est-ce que vous comprenez cela? Merci beaucoup. Partagez, likez ce direct au maximum. D'ici quelques minutes, le président Laurent Gbagbo sera ici à la place. Félicitations pour lui. Ramon, chien et danse, on fait le tour du village. Je vous envoie une artiste. Adema. Adema au sunset. Notons déjà que hier, à la place publique de Diokoué, le président Laurent Gbagbo avait dit quelque chose de très important. C'est celui-là qui a vécu le martyr qui peut pardonner. Parce que c'est le pardon de ce dernier qui aura un véritable sens à la réconciliation et à la paix de ce pays qui est la Côte d'Ivoire. Et il nous avait donné rendez-vous hier ici à la place publique, Félix Houphouët-Boigny de Guigno, où il va tenir son discours aux politiques concernant sa vision pour le progrès et le repositionnement de ce pays qui est la Côte d'Ivoire sous les rails du développement réel. Et ici, nous sommes à la base de nos autorités coutumières du Guémont et du Cavali. Et déjà, nous notons ici la présence du patriarche Toé Blaise, qui est le président du collectif de tous les chefs de la région du Guémont. Je prends ici. Chers parents. Le président Laurent Gbagbo. Déjà nous ont dit, en Côte d'Ivoire et partout en Afrique, que quand on va à la Coupe internationale, on ne revient jamais. Ils n'ont même pas dit pas, ils disent jamais. Mais Laurent Gbagbo, c'est un être humain exceptionnel. Il est venu. Est-ce que vous êtes content? Le chef coutumier des deux régions du Guémont et du Cavali sont présents. Merci beaucoup. D'ici à Guiglo pour écouter le message fort du président Laurent Gbagbo. Si la console est prête, nous allons commencer les choses sérieuses. Une artiste était déjà positionnée. Si ce n'est pas encore prêt, je vais les consulter. Donc, au niveau de la console musicale, on est avec les guitares, c'est lié. Ce sont les aléas directs. Ok, Guinao, je te ferai ici. Quand la console musicale sera disponible. Nous continuons toujours notre direct. Veuillez partager au maximum. Veuillez liker également ce direct. Pour plus d'efficacité, nous vous demandons de partager ce direct également sur tous les forums de la Côte d'Ivoire, sur tous les forums internationaux, pour que nous ayons plus d'impact et plusieurs vues sur cette cérémonie qui se déroule en ce moment, ici à la place Félix Houphouët-Boigny de Guigno. On a vu les images de la télévision du monde entier, et vous avez réussi à faire monter ce qu'on dit. Que Gbagbo n'était pas le bienvenu dans le pays ouest. Oui, ceux qui avaient dit comme ça que le président Laurent Gbagbo ne serait pas le bienvenu ici en pays ouest ont véritablement menti parce que, actuellement, comme vous le constatez vous-même, tout le peuple ouest est mobilisé actuellement ici à cette place, Félix Houphouët-Boigny de Guiglo. Voilà, vous le voyez de vous-même. Nous vous demandons de liker, de partager cette vidéo maximum pour plus d'efficacité. Parce que le PPACI, le parti des peuples africains Côte d'Ivoire, c'est le parti le plus souverain qui lutte aujourd'hui pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire et qui lutte aujourd'hui pour la souveraineté de l'Afrique. Et c'est ce que nous devons retenir désormais. Ici, dans le Cavali et le Guémont, le peuple ouest est motivé pour l'arrivée du président Laurent Gbagbo parce que c'est un président en qui nous avons toujours cru. C'est lui-là même qui a toujours lutté pour la vie de l'homme ivoirien que nous sommes et de l'Africain. Aussi surtout saluer la forte présence des chefs ouais, ceux pour qui certains ont eu la prétention de dire qu'ils ont interdit à Gbagbo de venir dans le pays ouais. Vous savez, parfois le silence fait beaucoup de bruit. Vous êtes venus
Vous êtes présents, chers chefs. Merci d'être là. Ça prouve à quel point le peuple ouais est attaché à la personne du président Laurent Gbagbo et j'entends aucun bruit pour ça. Merci. Ouais, nous disons également merci au peuple ouais des deux régions du Cavalier de Guébo qui ont tellement dit ceux qui avaient dit comme ça que les ouais n'acceptaient pas l'arrivée du président Laurent Gbagbo ici en pays ouais. A été combattu. Partagé au maximum. Partagé, chers amis. Par lui, il a été combattu. Alors que sont des structures économiques et financières. Il a été combattu par l'Union africaine. Il a été combattu par l'Union européenne. Il a été combattu par la Cour pénale internationale. Il a été combattu par l'ONU. Il a été combattu par le FMI. Il a été combattu par la Banque mondiale. Il a été combattu par la France métropole. Il a été combattu par le. Oh, est-ce qu'on peut applaudir? Mais il essaie de se faire revenir à nous. Merci Edgar, tu as quelque chose à dire. Pour Stéphane est là, il faut dire que la communication est gérée aujourd'hui, bien entendu, par bien Stéphane aussi complexe, Guillaume et Edgar. Partagez au maximum ce direct. Et soyez salués également, chers amis, d'ici et d'ailleurs, sympathisants et militants du PPACI. Merci. Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Nous sommes ici avec le mouvement Jeunesse solidaire. Il faut dire véritablement ce que je veux dire. Octobre 2021, le PPACI est porté sur le front baptismaux à l'hôtel Ivoire, à Dijon, par le président Laurent Gbagbo qui a dit. Je vais créer un. Nous faisons comme ça le tour des bâches pour que vous puissiez contester de vous-même la présence effective de tout ce peuple qui est sorti massivement pour accueillir le président Laurent Gbagbo ici à la place Félix Houphouët-Boigny de Guiglo. Les émotions sont fortes et les mots nous manquent également pour vous exprimer. Actuellement, ce qui se passe ici à Guiglo. Vous avez vu, dernièrement au Mali, le nom de Gbagbo est apparu sur des pancartes pour dire « Or, Gbagbo avait raison ». Très bien dit. Très bien dit. Et je m'en vais te dire, Edouard, que ça, c'était la raison des dieux. Il y a raison au niveau du Mali, donné par le peuple malien, donc le peuple africain, c'est la raison de Dieu. Mais la raison juridique s'est passée le mardi 15 janvier 2019 à la Cour pénale internationale. Elle a été prononcée par Jacob Kinotafisseur, juge président. Continue. Le seul. Likez, partagez au maximum ce direct. Soyez salués, chers camarades. Si vous permettez, nous allons vous arracher quelques mots. Les sentiments qui vous animent de votre présence ici à la place Félix Houphouët-Boigny de Guiglo. La preuve, moi je me nomme Tapé Narcisse. Ce parti, je le fais pour la jeunesse. Pour que le combat continue de plus belle. Parce que le combat, il n'y arrête jamais. Puisque Bernard nous ont vraiment inspirés. Je veux partir la ministre, d'essayer d'arriver avec le réunion. Lorsqu'on a battu les gens dans les rues, ces dames, en tout cas, j'ai toujours les forces, aménager les forces pour gagner les foules, en tout cas, pour le retour du président Laurent Gbagbo. Il faut les battre très fort. Voilà. Merci, chers camarades. Merci à vous. Alors, nous continuons ce direct. Partagez au maximum. Tout le monde, mais par grappe, nous allons aller, par vague, nous allons aller. Nous notons également un temps véritablement nuageux ici à la place Félix Houphouët-Boigny de Guiglo. Et vous devez le savoir,
ce que la nature a toujours béni, toujours touché par quelques coups de pluie pour arroser et bénir la terre et les hommes. Nous continuons toujours notre direct. Ici, nous sommes avec, bien entendu, celui dont la CIRT Cavalli, la CIRT qui est le parti du président exécutif, Kaerik, l'ex-ministre du commerce du président Laurent Gbagbo. On parle de Hubert Houlaï et puis on ne vous sent pas. On parle de Jean-Gerard Zatiné et puis on ne vous sent pas. Attendez. Eh bien, le coordinateur régional répond au nom de Michel Diazon. Et le coordinateur adjoint qui est en charge de Taï s'appelle Victor Thierry. Voilà, nous continuons toujours de faire le tour des bâches. Le coordinateur adjoint qui est en charge de Taï s'appelle Jonas Lessieri. Et nous avançons allègrement. Le coordinateur adjoint en charge de Bouléquin, doublé du statut de président de la coordination de Bouléquin, s'appelle Vérité Laurent. Du PPACI, parti de la République. Le coordinateur adjoint qui s'occupe du défendu de tout le peuple, il s'appelle Romain Rodouan. C'est lui qui fédère génère donc toute la région du Guémon. C'est le député Gay Goudion Ignace Lépès. Le coordinateur adjoint en charge de Kouibli, Moïse Gay. Le coordinateur adjoint en charge de Fakobli, Dr. Hippolyte Dioubounde Seigay. Le coordinateur nous sommes ici en charge de à la base des officiels. Cadre du PPACI, parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Maintenant pour cette cérémonie, c'est ici et c'est de Djokoué. Celui qui fait la génération s'appelle Jean-Gervais Tienge. Merci beaucoup. Et tout le monde est déjà présent et nous attendons allègrement l'arrivée du président Laurent Gbagbo ici à la place mythique Félix Houphouët-Boigny de Guiglo. On demande à tous ceux qui sont au fond de scène de bien vouloir prendre place. Libérez le fond de scène parce que les chausseries sont en train de commencer. Venez libérer le fond de scène, s'il vous plaît. Je demande au service de la sécurité de venir nous aider. Voilà, c'est ça. Aidez-nous à mettre un peu d'ordre dans le fond de scène ici parce que le président Laurent Gbagbo n'est pas loin. Et tant que Gbagbo est là, la discipline est de rigueur. Je demande à la sécurité de sortir de la scène ceux qui ne doivent pas être là. Et que ça se fasse maintenant. Voilà, je voudrais demander au service logistique de se parquer quelque part pour se compléter. Sinon, voilà, il forme un kiss dans son nom. Faisons le tour des vaches. Voilà. Vous montrez véritablement la mobilisation ici à la place. Sans plus tarder, est-ce que l'artiste a démarré le poignet de Guiglo. Nico. Tout à l'heure, le président Laurent Gbagbo sera sur cette place pour s'adresser pour s'adresser au peuple. Le chef est déjà là. Ouais, les deux régions du Cavalli et du Guémon. Avec la chanson de Serge Kassi, il y a Dieu dedans. Restez connectés, partagez ce direct au maximum. Eh bien, je m'en vais porter à la connaissance de tous et de toutes
que tous ceux qui ont des petits bobos, c'est-à-dire des maladies de première surface, des migraines et consorts, peuvent aller consulter le comité médical du PPACI, dirigé de main de maître par Dr Mier et Dr Tracier. Ils ont un chapiteau dressé. Peuple du cavalier, peuple du cavalier, peuple du cavalier, peuple du cavalier, peuple du cavalier. Votre fils, votre frère, le président est là. Il est hors de question qu'on accueille le président de l'homme quand on était assis. On ne peut pas être assis. Le président Laurent Gbagbo vient d'arriver ici à la place Félix Houphouët-Boigny de Kiglo. Nous voyons déjà son cortège qui arrive. Likez, partagez au maximum ce direct. Le président vient de faire son entrée sur la place. Regardez le symbole. Le président de l'Ontario est accueilli ici avec des cadres du PSI et des cadres du PDCI. Tout le symbole du Côte d'Ivoire est unifié. Du Côte d'Ivoire, nous venons de l'avoir exprimé. Du Côte d'Ivoire, du Côte d'Ivoire, et d'anciens souvenirs. On vient d'arriver. La régie. Il y a Dieu dedans. De Serge Cassie. Voilà le président exécutif du parti, monsieur Hubert Oulahi Marc Arthur, qui vient d'arriver sur cette place. Likez, partagez au maximum ce direct. Likez, partagez ce direct au maximum. Likez, partagez ce direct au maximum. Si vous êtes véritablement d'accord de la présence du président Laurent Gbagbo sur cette place, Félix Houphouët-Boigny de Kiglo, likez, partagez au maximum ce direct. Voici les images. Il faut remonter ce qu'on dit. Le président Laurent Gbagbo vient d'arriver. Gbagbo, 12 ans après, tout le monde de Côte d'Ivoire, il ne sera pas les seuls, il ne sera pas le monde. Hier, le diamant, nous avons vu. Aujourd'hui, il y a le paradis, nous le voyons. Il est là. Il s'approche du sens. On lui fait d'abord une belle ovation au président de Laurent Gbagbo, s'il vous plaît. Je n'entends rien, je n'entends rien. Je parle du Seblou, je parle de Koudou, Laurent Gbagbo, s'il vous plaît. Le président vient d'arriver. Le président Laurent Gbagbo, faut-il le rappeler, est l'expression la plus achevée et la plus aboutie de la résilience politique. 12 ans après, il est encore debout, plus fort que jamais. C'est comme ça que vous
Likez, chers amis, likez, partagez cette vidéo au maximum. Likez au maximum, partagez cette vidéo. Le président Laurent Gbagbo vient d'arriver. Voilà, nous assistons à l'arrivée du cadre Kone Katinan, cadre du PPACI du Nord ivoirien. Président fait son entrée maintenant sur cette place. Et comme vous devez le savoir, à peine le président Laurent Gbagbo entre sur cette place, au même moment, il tombe en ce moment des gouttes de pluie ici à Guiglo. Un signe fort pour dire que même le divin, depuis son saint trône, a béni déjà cette cérémonie qui se déroule maintenant. Le président arrive et il pleut en ce moment ici à la place Félix-Houphouët-Boigny de Guiglo. Un signe fort qui prouve véritablement que le bon Dieu a approuvé cette cérémonie. Oui, le président de la République, je veux encore la population de Guiglo ne vous sent pas. On ne vous a pas senti. Guiglo, beaucoup de bruit. Oui, les Gabonais. Parce que ce n'est pas une affaire de Guiglo, c'est une affaire de Guiglo et de la République. Nous le plaisons avec un appel de Gabon, de Guiglo. Thank you.
là. Vous le voyez de plus près, il est là le président. Vous avez les dessous.
Likez au maximum ce direct. Voilà, vous voyez ici la présence remarquable du SGA Simagnéné Bilo Daniel, président de la commission logistique du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, en chemise toute blanche avec le logo du PPACI sur la poitrine gauche. Il est là, le fils du Guémon, le lion du Guémon. Alors, il est là le père, il est là, vous le voyez. Il salue les cadres du parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Voilà le président qui avance. Et voilà, vous le voyez de plus près. Voilà le président Laurent Gbagbo. Direct, likez,
Alors, la sécurité, la prière de la présidence. La sécurité, s'il vous plaît. La sécurité, s'il vous plaît. On dit que sans message, s'il vous plaît. On dit que sans message, s'il vous plaît. Les choses venues commencent. Allons-y, allons-y. Monsieur, le président, je prends votre place. Voilà, le président Laurent Gbagbo va maintenant prendre place. Il va s'asseoir. Nous passons maintenant aux civilités. Afin que nous commencions la cérémonie. Il faut libérer le 105, s'il vous plaît. On va libérer le 105. Le président est là. Oui, voilà. Lorsque le président Laurent Gbagbo a foulé le sol de cette place mythique, Félix Houphouët-Boigny de Kiklo, la pluie est tombée. Un signe fort pour dire que le divin, le Dieu Tout-Puissant, a béni cette cérémonie. Il a même purifié, sanctifié cette place pour que cette cérémonie soit sous sa couverture de protection. Parce que la Bible même nous dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant et nous faisons de l'Éternel des armées notre refuge et notre forteresse. Car c'est ce même Dieu qui a délivré le président Laurent Gbagbo des chaînes de la prison de la CPI. Et aujourd'hui, il est en Côte d'Ivoire avec nous et précisément en ce moment ici à Guiglo. Nous aurons l'hymne national, après l'hymne national, nous aurons la cérémonie de libation qui sera la fin du chef central de Guiglo. Il sera suivi par le mot de bienvenue du président du comité d'organisation de Jean-Michel. Et interviendra la suite du PCO, oui, c'est Congo, Madeleine, au nom des populations du Guémon et du Kamali. Ensuite, nous allons rapidement à la cérémonie de dos, qui sera l'affaire du camarade Louedé Junior. Et après la cérémonie de dos, nous aurons le discours attendu du fils du pays, de son excellence, le président, Laurent Gbagbo, président du parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, PPA. Si on est d'accord, on fait beaucoup de bruit. Edouard, oui, on va se lever. On va demander à toutes et à tous de se lever. Je vais demander au peuple de Côte d'Ivoire réuni ici, au Kamali, au Guémon. Tenons-nous debout pour entamer ensemble l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Je compte à trois et on est parti. Un, deux et trois. Voilà, ainsi terminé
l'hymne national de la Côte d'Ivoire, le salut aux couleurs de ce pays de Bernie. Nous allons maintenant passer à la phase l'animation. Donc, la délégation du chef, il va venir avec la grande délégation du chef. Je rappelle que l'animation sera dite par le chef central de Guigro, Glenebe Jean Ditao. Oui, on va le recevoir ici. Population du Cavalier, je veux qu'on passe le chef, il faut l'animation du très fort. Le chef central de Guiglo, Grenoble, Jean, Guitao. Guitao. On va leur permettre d'avoir accès au centre. Centre. Oui. Nous sommes à l'étape de la libation et nos chefs coutumiers des deux régions du Cavalier du Guémont sont en mouvement vers le centre de cette place préparée par la commission logistique du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Ils sont en phase avec le président Laurent Gbagbo pour la cérémonie de libation. Oui,
Voilà, terminé la cérémonie de libation. On va saluer le chef central de Kiglo, le Nébré Jean d'Itawa, pour la libation. Les mots sont profonds, les mots sont clairs. Le président Laurent Gbagbo a été éloigné de son pays pendant 12 ans par la force du mal. Jusqu'à ça, le président Gbagbo Laurent est revenu. Et le président Laurent Gbagbo, c'est le fils du pays, c'est le socle de la démocratie et c'est le socle de la réconciliation. Et les choses sont claires. La présence du président Laurent Gbagbo avec à ses côtés aujourd'hui son frère, son grand frère, Aimé Henri Conambédier, le PLCI, avec Laurent Gbagbo à la pointe, la Côte d'Ivoire sera réconciliée. Et d'ici peu, le pays, oui, ils l'ont dit, sera en termes de gestion dans les mains du président Laurent Gbagbo. Pour que tout le peuple de Côte d'Ivoire soit heureux, président, son excellence, président Laurent Gbagbo, voici de manière laminaire ce qui a été dit par nos chefs. Oui, il faut les avancer encore, très fort. Oui, Edouard, on va aller pour la suite du déroulé. Après, donc, la libation dite par le chef de l'Ébéjan, dit Tao, nous allons appeler ici sans aucune transition, pour le mot de bienvenue, le président du comité d'organisation des Azons, Michel, qui je rappelle est le coordonnateur régional du PPACI pour la région du Kavali. Des Azons, Michel, sous l'ovation. Voilà, le camarade Léazon Michel, coordonnateur régional du PPAC, la région du Kavali, et en même temps PCO de cette cérémonie, va maintenant faire son allocution. On demande donc aux responsables du PLCI, parce que c'est ensemble, PLCI et PPACI, que cette organisation se fait. Tous les responsables du PLCI, membres du comité d'organisation, El Baï, de bien vouloir rejoindre le président du comité d'organisation. El Baï, s'il te plaît. Merci. Merci. Excellence, Tamara Yoma Gbagbo, président du Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire. Tamara Hubert Oulaye, président exécutif du Parti des peuples africains. Tamara Adia Picas, secrétaire général du PPACI. Tamara, membre de la direction du parti. Chers frères et sœurs et alliés du PDCI, honorables chefs d'ouvriers et de communauté, chers parents, Excellences, Monsieur le Président, Laurent Gbagbo, président du PPACI, depuis le 7 avril 2022, vous séjournez dans le pays ouest, et ce, jusqu'au 19 avril. Au nom du comité local de Kavali, chargé de l'organisation de votre visite chez les Ouest, nous vous disons Dao, 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 en votre terme, soyez la bienvenue. Dans tous les villages, campements et hameaux de Kavali et de Grimont, à la simple annonce de votre intention, d'entreprendre cette visite de compassion historique, une véritable frénésie s'est emparée de tout le pays ouest. Dès lors, une organisation particulière à la mesure de l'événement a été décidée. D'abord, le comité interrégional d'organisation, dirigé par le président du cadre de la CI, le droit de Thierry Jean Gervais, le député du département de l'Université. Le comité interrégional
C'est la mitié ensuite en deux comités de secours. Celui de la région du Rémont et celui en charge de la région du Cabali que votre serviteur a laissé en l'air de présider. À ce stade de mon propos, permettez-moi de remercier tous les frères et sœurs qui ont fait confiance en la modeste personne en me désignant comme président du comité d'organisation de cette visite de la preuve de vie. Tout en réitérant les remerciements aux camarades du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire du comité d'organisation, je voudrais ici saluer l'élan fraternel de nos voisins, frères et sœurs du PDCI-RDA qui volontairement se sont joints à nous pour l'organisation de ce heureux événement. J'espère, avec toute l'équipe constituée à cet effet, nous élever au-dessus, sinon au moins à la hauteur de ce défi. Au nom donc du comité d'organisation, nous voudrions adresser notre infinie reconnaissance à tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont apporté assistance morale, matérielle et financière. Chers parents, merci à vous tous d'avoir fait suivre massivement le déplacement. Merci d'être venus nombreux, malgré les nombreuses et multiples manœuvres d'intimidation, d'intoxication et de diversion de tous âges. Nous ne saurions terminer notre cause sans demander votre indulgence quant aux désagréments et d'éventuelles imperfections dans notre organisation pourrait vous causer. Merci d'avoir prêté une vraie attention à nos propos. Que la fin soit belle. Je vous remercie. Merci. Voilà. Et c'est pour enfin l'allocution du président du comité d'organisation de cette cérémonie qui nous réunit ici en ce moment à cette place, Félix Soufoué-Poigny de Bekiglo. Likez, partagez ce direct au maximum. Merci au président du comité d'organisation. On va. On va maintenant faire appel au porte-parole de la population du Cabali pour son intervention et son mot à l'endroit du président Laurent Gbagbo. J'appelle ici le porte-parole du Cabali, s'il vous plaît. Oui, le porte-parole du Cabali, il va venir, c'est Réunion Romain qui va venir pour son mot. Il faut mentionner le porte-parole du Cabali. Monsieur le ministre de la Laïque, président exécutif du PDPAC, délégué de la circonscription et du tout sous ce président. Monsieur Samana Adiatikas, secrétaire général du PDPAC, mesdames, messieurs et les présidents des organes de la direction du PDPAC, mesdames et messieurs, les membres de la direction du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, camarades membres des bureaux fédéraux du PDPACI de la région du Cabali, mesdames, messieurs, les membres de la direction du Parti frère
le PDPI-RDA, conduit ici par le ministre des Affaires étrangères, vice-président du PDPI-RDA. Messieurs les chefs de canton, chefs de village et chefs de communauté, messieurs les guides religieux, mesdames et messieurs, les présidents et présidents d'associations des femmes et des jeunes de la région du Cavalier, distingués invités, chers parents des quatre départements de la région du Cavalier, chers camarades militants, militants, sympathisants PPHI, je voudrais avant tout saluer la mobilisation exemplaire de ce jour qui démontre, si besoin en était encore, l'attachement exceptionnel et conditionnel des populations de l'Ouest en général et celle du Cavalier en particulier à notre leader charismatique, le président de la Wabo. Distingués invités, chers parents, chers camarades militants et sympathisants du PPACI du Cavalier, je voudrais, avec votre permission, souhaiter la bienvenue à Son Excellence, Monsieur le Président Laurent Gbagbo, et lui dire combien nous sommes heureux et fiers de le recevoir chez nous ici à Dubo. Excellence, Monsieur le Président, en vrai, on dit Dao, Dao, oui, oui. Les populations de la région du Cavalier, par ma voix, voudraient d'abord vous traduire toute leur reconnaissance pour avoir tenu votre promesse de rendre une visite de compassion à tout le peuple de l'Ouest. Dès votre retour du pays, ce geste, à leurs yeux, au plus que de l'or, d'autant plus que c'est dans votre cellule de prison à La Haye que vous avez, la première fois, fait une telle chemise. Et une fois, en liberté conditionnelle à Bruxelles, vous avez réitéré ce jour. Mieux, dès votre retour en terre natale, vous avez à plusieurs occasions manifesté votre empressement de venir essuyer les larmes de nos parents ouest. Oh, combien est touchante et réconfortante cette marque de solidarité qui est grand homme. Grand merci à vous pour cette leçon d'humanité et de fraternité. Excellence, Monsieur le Président, sans que vous l'ayez imaginé, vous venez ainsi de guérir par cette visite des souffrances vieilles de plus de 20 ans et de cicatriser par ailleurs de nombreuses plaies jusque-là brillantes. Car les maîtrisures posées par la rébellion armée de 2002 et la crise post-électorale de 2010-2011 dans notre région n'avaient pas encore disparu, contrairement à ce que tente de faire croire ceux qui les ont inspirés. Oui, Monsieur le Président, vos frères et sœurs du Cavalier ont chèrement payé le prix de leur attachement à votre personne et à votre combat. Et pour le vérifier, il suffit de jeter un regard froid sur les tueries massives enregistrées dans les quatre départements de la région du Cavalier. Par exemple, à tout le plus, et plus précisément dans la sous-préfecture de Méo, un campement de Diaye, du nord de Moué, 33 personnes, pour la plupart des femmes, des vieilles et des enfants, ont été dans la nuit du jeudi 24 au vendredi 25 mars 2011, surprises dans leur sommeil et froidement assassinées. Aujourd'hui, où je prends la parole, devant vous, Monsieur le Président, cet campement a changé de nom pour s'appeler désormais Lissabi, en référence à son changement radical de statut, c'est-à-dire un campement plutôt, devenu
une colonie de peuplement en plein pays ouest. De même, à Tade, dans le département de Djibo, les membres d'une famille entière ont été enfermés dans la maison qui a été ensuite incendiée par leur bourreau, à Taï. Le constat a été le même, car cette même période, le patriarche Yahizou Benoît, communément appelé Papa Babo, a vu ses quatre fils froidement assassinés sous ses yeux. Enfin, à Boléquin, dans le village de Doké et de Tiaou, les chefs du village ont été froidement abattus devant leur population. Au tableau de ces quelques atrocités rapportées, s'ajoute la destruction totale et partielle de plusieurs villages ainsi que l'occupation illégale de nos terres par les ex-combattants du régime suivi des exils forcés de plusieurs de vos parents au Libéria voisin et même au Ghana. Tout ceci au seul motif que nos parents ont choisi Laurent Gbagbo comme leur leader politique. Mais rassurez-vous, monsieur le président, ces actes d'atrocité et de barbarie inqualifiable n'ont jamais entamé notre morale et notre adhésion à votre cause. Bien au contraire, nos mots nous ont aidés à affermir notre engagement à vos côtés. C'est le plus fort. Nous nous sentons régénérés par votre présence parmi nous, laquelle présence est également ressenti comme une cérémonie d'hommage à la mémoire de nos deux frères, vos dix compagnons tombés au sang de l'honneur. Je veux parler de feu Paul Gropi et de Basile Mangabu. Excellence, monsieur le président, nous, au Kabali, sommes un peuple qui est loyal. Au nom donc de cette unité et de cette loyauté qui nous caractérise, dans notre engagement politique à vos côtés, nous nous sommes levés comme un seul homme lors des dernières élections législatives de 2021 pour remettre les deux postes des députés de Djibo à vos collaborateurs, leurs anciens documents, à savoir les ministres Vermeil et Élie Diérou, que je demande au public de vous appeler très fort. Merci, merci. Abolé également, nous avons pris la ferme résolution d'élire votre collaborateur, le vice-président Jean-Gervais Tédé, au poste de député. Cet acte politique qui apparaît comme le premier du genre dans cette localité depuis la demande de l'unificatisme en 1990, se veut comme la preuve la plus emblématique de la réaffirmation de notre attachement à votre personne et de notre fidélité à votre combat politique. Au total, sur les 6 postes de députés dans la région du Kabali, nous avons réuni 3 à vos postes collaborateurs et nous conseillers 2 à nos alliés du pays. Le dernier instant nous a échappé. Nous comptons le récupérer dès les prochaines législatives. Excellence, monsieur le président, les préparations du Kabali me chargent de vous dire que vous pouvez compter sur elles en tout temps et en tout lieu, car vous ne les avez jamais déçus. Bien au contraire, vous les avez toujours honorés en plaçant votre confiance en plusieurs de leurs fils et filles depuis les premières heures de votre engagement en politique jusqu'à ce jour, en passant par vos années de gestion du pouvoir d'État. La preuve, récemment encore, c'est-à-dire juste après la création de votre nouvel instrument politique, PPACI, vous avez nommé
24 fils et filles de nos régions à la direction du parti dont le plus illustre d'entre eux est le ministre Hubert Blaye, nommé au rang de président exécutif du PDAC. Excellence, Monsieur le Président, pour toute cette marque de confiance, les parents du travailleur vous traduisent à nouveau leur infinie gratitude et vous promettent de mériter davantage cette confiance à la semaine. À ce titre, ils peinent en avance la main devant vous, ici ce soir, de vous reconduire à la tête de la Côte d'Ivoire à l'issue de la direction présidentielle de l'Ontario 2025. Soviétique de 98% de droits dans notre région. Mais bien avant cela, il est promet de donner tous les 5 équipes aux candidats du PPAC du Cavalli à l'occasion de la prochaine élection municipale et régionale de 2023. Excellence, Monsieur le Président, les populations du Cavalli se tiennent à votre disposition et attendent avec impatience tous les mots d'ordre que vous pourrez bien lui donner pour l'avènement d'une Côte d'Ivoire réconciliée avec à sa tête un homme de paix et de vision, j'ai nommé le président de mon rapport. Distingués invités, chers parents, chers camarades militants et sympathisants du PPAC qui travaillent, je voudrais arrêter là en priant nos ancêtres de continuer de veiller sur notre lutte proche, le président Laurent Gbagbo ainsi que son épouse, et surtout de continuer de leur procurer une santé de fer afin que notre leader termine le combat de la guerre de la pouvoir qu'il a entamé depuis de nombreuses décennies. Qui n'a pas de voix, vive le président Laurent Gbagbo, pour que vive le PPAC. Voilà la fin de la locution du porte-parole de la région du Cavalli. Vous avez écouté et vu de vous-même en long et en large ce qui vient de se dérouler et le discours également pour parole de la région du Cavalli. Et nous continuons ce direct pour la suite. Ils sont là, ils sont présents. Ils ont décidé de marcher vers la mer et du PPACI. Et aujourd'hui encore, ils ont une forte délégation. Je vais appeler ici le porte-parole du parti de Henri Konem et de l'EPDCI, l'honorable Décimon, Don Simon, pour sa prise de parole et son mot à l'endroit du président Laurent Gbagbo. Beaucoup de bruit pour l'honorable. Saluer l'honorable, le comté désiré, président de l'EPDCI et chef de la délégation, le ministre Blélé, vice-président du PDCI. Je voudrais aussi saluer la présence du maire Denis Casillon, secrétaire exécutif du PDCI NDA. Et celui qui reçoit la délégation ici à Digo, nous voulons saluer Mathias LCI, secrétaire exécutif du PDCI, délégué PDCI Digo Commune. Mathias LCI, sans salut. Excellence, Monsieur le Président, Madame, vous, Monsieur le Président, par où commencer une adresse? Comment il faut aussi se connaître, ne pas investir ce qu'il y a. Que dire n'est pas encore ici. J'ai cherché les mots
pour mieux vous traduire ce moment intense que nous vivons ensemble depuis votre tour ici en Pays-Bas. Chez nous en Pays-Bas, on traduit souvent les moments de la vie par des proverbes, des non-proverbes. Celui qui me vient à l'esprit maintenant est Josué. Il veut dire, les jours se suivent, mais ne se suivent pas. Monsieur le Président, depuis deux jours maintenant, vous êtes là avec nous pour entendre comme nous, au fond de votre cœur, ce proverbe résonner comme une note d'espoir. Demain, se suivront les jours et ils ne ressembleront pas aux jours d'hier et aux jours d'aujourd'hui. Hier, chez nous, dans le pays, ouais, comme cela vous a été dit, hier à Diopé, les jours se suivaient et se ressemblaient. Pour nous tous qui vivons ici, dans le pays ouais, les Mandés du Nord, les Mandés du Sud, les Malinqués, les Akans, les originaires, les pays de la CDAO, et majoritairement le ouais, ces jours étaient des jours de pleurs et des jours de douleurs profondes. C'était des jours cruels. Vous pouvez entendre les cris de détresse et de désespoir dans les villages, dans les quartiers, incendiés sous l'effet de la haine, de l'eau. C'était des jours où le tonnerre a grondé de manière continue pour détruire nos cases, nos maisons, nos biens professionnels et privés. C'était des jours de séparation atroce de l'homme avec sa mère, du mari avec sa femme, du frère avec sa soeur, des jours d'exclusion de nos familles, nos frères, nos soeurs, nos mères, nos pères sont morts, appris, fusillés, torturés sur les routes, dans les forêts, dans les fleuves, dans les rivières, dans leur village, dans leur quartier et dans leur maison. Et toi, maman, monsieur le président, la suite de ces objectifs de 2010 sont à rejoindre le chemin. Nos parents, nos amis, nos proches, nos compatriotes, nos voisins, ils sont partis. Ils ont trouvé, pour les petits chanceux d'entre eux, refuge et derrière, au Mali, au Burkina, en Guinée. Et nous reviendrons peut-être un jour. Tous les jours que vous faites, pour nous, les jours se suivent et se ressemblent. Nous suivons le mouvement, le chemin du village, du quartier, dans l'espoir qu'il revienne un jour. Et la vérité, monsieur le président, nous rattrape à chaque instant. Ces milliers de frères et de soeurs, de parents, d'amis, de Fafodim, de Kubli, de Djokwe, de Bangolo, de Djiglo, de Bolequin, de Taïs, de tous les peuples, ils ne reviendront plus jamais. Les morts de prison, de Fangolo, de Blodi, de Serbie, de Mayaï, de la fosse commune de Djokwe par le coup, les morts de Kokoma à Djokwe, de Naïkli, comme vous avez été hier, le Vieux-Bain, et tous ceux des villages du Cabernet, comme vous avez entendu parler tout à l'heure, monsieur le président, ils ne reviendront plus jamais. Monsieur le Président, excellent, ce jour de malade, de 99, de 2000, de 2002, de 2010, de 2020, ont déchiré nos cœurs meurtris et fissuré la riche prison que nous formons à la traversée de nos cœurs. Monsieur le Président, nos douleurs et nos blessures sont encore profondes. Nos forêts sont illégalement occupées et exploitées sauvagement. Le mont Péco, la forêt des cieux, dévastée par des légions de migrants de la commune, de nos chefs et même de l'administration. Les rapports entre les populations autochtones indigènes et autochtones se sont déséquilibrés du fait de cette forte migration qui continue d'ailleurs à augmenter chaque jour. Dans certaines zones même, monsieur le président, la population des immigrés dépasse 75% de l'ensemble de la population. Toutes les autorités de richesse, hier, nous restons encore, sont exploitées clandestinement à ces ouvriers, à ces migrants qui définissent les sous-sols. Notre écosystème, notre beau écosystème, notre peuple, vert, blanc, forêt, naturel, et que ces grands fleuves, la rose, comme ça s'en va, et le zoo, est en pleine destruction. Les repères, les saisons se sont déplacés,
et perturbe le mode de vie de nos populations. La grande part de nos terres cultivables, monsieur le président, est occupée de force et certains de nos compatriotes ont perdu leur compassion à cause de la pauvreté qui s'est échelée. Avec plus de 60% de cette pauvreté comparée à des 40% au niveau national. Notre cacao, monsieur le président, que le prix est fixé à 825 francs d'État et que le rab sera acheté à notre maman dans les villages à 600 francs ou à 500 francs d'État. Monsieur le président, à la fin d'un petit sincère où le colloque de conciliation frère, les rancœurs entre les populations halogènes, autochtones et aérophones sont encore latentes et les conflits intercommunautaires sont alimentés par des accidents mortels. Monsieur le Président, le temps de maman, vous parlez des systèmes éducatifs, si c'est ce qu'on chez nous, avec des taux scolaires jusqu'à la mort. À cet exemple, si c'est une chose écologique, on va parler à Vangolo chez moi, 11% à Djokwe. Monsieur le Président, le temps me manque pour vous parler des infrastructures socio-économiques, des routes praticables entre nos villes et nos villages. Les mototaxis sont devenus notre moyen de modèle de transport par excellence avec leur lot d'accidents mortels. Le temps me manque, monsieur le Président, pour vous parler de notre jeunesse sans emploi, de nos femmes et de nos hommes qui ont perdu tous les repères et qui sont tous dans l'oisité avec l'alcool qui prend le dessus sur eux. Le temps me manque pour vous parler des centres de santé, des hôpitaux sous-exécutés où le malade à Covid doit payer. Le temps me manque, monsieur le président, pour vous parler des sécurités chez nous. Monsieur le président, la douleur nous a passés. Les cœurs se sont peinés. Les jours se suivent et se dessinent. Et pour paraphraser, monsieur le gouverneur de justice des montagnes, nous sommes les derniers. Nous sommes les derniers, monsieur le président. Monsieur le Président, pour nous tous ici, je vous l'avais dit d'emblée, votre visite dans le Guémon et le Cavalier en pays ouvert, sonne comme l'écho d'une expérience nouvelle pour notre pays la Côte d'Ivoire. Votre aîné, son épouvant premier en commun Vézier, ancien président de la République, président du PDTRDA, m'a chargé de vous féliciter pour la grandeur de tous ces actes de compassion. Vous venez de poser ici pendant ces 5 jours. Je vous ai demandé, ma chargeur de l'économie, Yakou. Je vous ai envoyé, je charge aussi de renouveler à vos côtés sa sincère et profonde compassion à tous ses frères, ses soeurs, ses parents, ses amis. Ici, vous serez combien, Gidoni et cher. Il vous dit, Yakou. Il nous charge, nous tous, avec à notre tête le ministre en comté désiré, le ministre de l'Élé, tous les représentants ici, ils nous chargent de dire Yakou. Assez, on sait. Chers parents, chers frères, chers sœurs, que devons-nous faire maintenant? Accumuler les douleurs et mourir dans le cœur d'hier et les décessions aujourd'hui? Ou imaginer, ensemble avec foi, l'avenir? L'avenir de la Côte d'Ivoire, en nous mettant ensemble, en rassemblant nos ressources, pour construire une nouvelle nation, une grande nation. Les réponses à ces questions, monsieur le président, se trouvent dans le mot que votre aîné vous a adressé le 11 juillet 2021 à Daoko, et je le cite. Notre responsabilité commune devant l'histoire est la plus grande expression d'amour que nous pouvons offrir à notre pays, aujourd'hui même, et aux générations futures. Passe absolument par le renoncement de toutes nos peines et de nos souffrances. Les leçons tirées avec courage de nos incompréhensions du passé doivent être de puissants leviers pour construire une paix durable, le bénéfice du bonheur de chacun et du progrès pour tous. Monsieur le Président, et je suis le Président de Dieu, comme vous, ma foi en votre foi fraternelle n'a jamais failli malgré mes propres douleurs, mes propres souffrances du passé. Fin de citation. Monsieur le Président, c'est donc dans la fragilité, votre vulnérabilité, que notre fraternité prend tout son sens. La fraternité devient alors pour nous tous un défi qui alimentera une vision nouvelle de notre nation. La fraternité, elle devient pour chacun d'entre nous une exigence
pour construire la Côte d'Ivoire fraternelle, reconciliée, unie et prospère. Construire la Côte d'Ivoire parallèle devient alors pour nous tous un engagement pour tracer un nouveau destin pour notre pays. La Côte d'Ivoire parallèle, non pas votre frère, votre aîné, le président Emmanuel Macron, qu'on a veillé, elle sera possible parce que aussi nous connaissons la vérité sur les événements passés. C'est-à-dire les circonstances de la violation grave des droits de l'homme de la terre. Après la construction et la mise en place d'institutions républicaines consensuelles et stables, comme la CEI et le Conseil constitutionnel au service de la démocratie. La Côte d'Ivoire fraternelle, Monsieur le Président, est-ce la possible grâce à un partage équitable des richesses en toutes les régions de la Côte d'Ivoire, en tenant compte du recul occasionné par les crises successives que nous avons traversées. La Côte d'Ivoire fraternelle, elle doit absolument faire l'objet d'une justice indépendante et impartiale. Elle est responsable de la centrale aux droits de l'homme, indépendamment de l'opinion politique, religieuse et ethnique, dans le même. La Côte d'Ivoire fraternelle, elle sera marquée par une gouvernance administrative qui tienne compte de la diversité sociologique. La gouvernance économique sera aussi caractérisée par une allocation responsable et politique des ressources financières au bénéfice de tous les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire fraternelle, Monsieur le Président, elle sera une nation de solidarité entre les générations. Monsieur le Président, la Côte d'Ivoire fraternelle sera une Côte d'Ivoire réconciliée avec la participation de tous les fils et des filles de la Côte d'Ivoire. Aucune Ivoirienne ne sera contraire à un jour forcé. Alors, Monsieur le Président, Madame l'épouse du Président, mes chers parents, frères et sœurs, comme l'avait dit le président Emmanuel Macron Bédé à Yaoundé le 11 juillet, en citant le groupe Salvis, ceux qui marchent, en pleurant, reviendront avec des plus de joie. Alors, les nations du Nord, que l'Éternel a fait pour nous, devront nous sauver et nous serons d'accord. Monsieur le Président, votre frère Michel encore, je vous dis Yako, Yako, comme vous-même vous l'avez dit hier, à Djokwe, le président Bédié nous demande aussi de tourner ensemble la page de la douleur pour regarder ensemble l'avenir de notre pays avec courage, avec détermination dans le pardon mutuel. Le président Bédié nous demande de rester ensemble, solidaires, unis. À la confiance mutuelle. Le président Bédié vous invite à la fois agissant à un dialogue inclusif avec la participation de tous les Ivoiriens et de toutes les Ivoiriennes pour construire ensemble la Côte d'Ivoire fraternelle et démocratique à laquelle nous revendiquons. Monsieur le Président, chers parents, frères et sœurs, demain sera alors un jour nouveau pour nous tous. Que la Côte d'Ivoire, notre beau pays, retrouvera définitivement la paix et la prospérité. Notre proverbe de tradition deviendra alors une réalité, une vérité pour nous tous. La haine s'en s'éloigne. Les jours se suivront et ne se ressembleront pas. Ils seront tous des jours de fraternité et de bonheur continu pour nous tous. Monsieur le Président, chers parents, chers frères et chers sœurs, je veux conclure en paraphrasant un philosophe français, Paul Doré. La douleur nous a brisés. La fraternité nous relèvera et de nos blessures jaillira un fleuve de liberté. Que Dieu nous bénisse. Ainsi terminée l'allocution du président du groupe parlementaire, le PDC, l'honorable Do Simon, député du Sbiao, dans le département de Bangolo, qui vient de tenir un discours très émouvant avec des paroles fortes. Monsieur Desemouyana, délégué PDCI Jiglo, Monsieur Louis Emmanuel, inspecteur du PDCI Nyanguéna, Kiri Aimé, délégué PDCI Bangolo, Léopold Bailly, gouvernement PDCI Jiglo Commune, Bogo Maïe-Antoine, membre du comité d'État du PDCI, et enfin, Zara Pierre, permanent PDCI du Globe.
Merci à Edouard, au président de l'intervention du PDCI, invité à l'intervention de l'Europe de Simon, on va recevoir ici. Et maintenant, au nom de la population du Cavalli et du Guéguéon, oui, madame Sekongo Madeleine, SM Technique du PDCI, sous la convention. Madame Sekongo Madeleine, au nom de la population du Cavalli et du Guéguéon. On continue de le nom de la population du Cavalier du Guémont, c'est maintenant la scène, Madame Sekongo, qui va prendre la parole pour s'adresser au président Laurent Gbagbo. Excellence, Monsieur le Président, président du PPAC. Sous l'autorité générale du professeur Hubert Laï, président exécutif du PPAC, et avec la bénédiction des chefs de canton, de village et des tribus, de l'ensemble des populations du Cavalli et du Guémont, je prends la parole en ce jour, 9 avril 2022, pour adresser le message du peuple guémotais à qui il vous a pu rendre visible une visite de compassion. Monsieur le Président, vous avez joué là à la parole et vous démontrez chaque jour, chaque année, que le peuple guémotais a eu raison de s'attacher à vous et d'épouser votre combat politique. Monsieur le Président, le message de ce jour, que j'ai l'insigne honneur de porter, vise à exprimer d'abord des remerciements, ensuite à émettre des souhaits en rapport avec nos attentes. Monsieur le Président, le peuple guémotais tient à l'entendre de cette allocution à vous dire merci. Grand merci pour plusieurs raisons que je vais énumérer. D'abord, depuis les années 1990, lorsque vous avez créé le Front populaire ivoirien, vous avez entrepris une démarche empreinte de considération et de simplicité envers le peuple guémotais. Vous l'invitez à adhérer à votre rêve dans la Côte d'Ivoire à travers ce parti que vous venez de créer. Cette démarche vous fait déjà séduire. Ensuite, lorsque vous avez accédé à la magistrature suprême, vous avez bien voulu nommer nombre de nos frères et sœurs à de hauts postes de responsabilité. Malheureusement, la crise est intervenue en 2002 et notre région a commencé à souffrir de martyrs. Ainsi, en 2003, le peuple guémotais, excédé par les exactions et les massacres en tout genre qui suscitaient, a organisé une marche de protestation à Abidjan. Il a été sauvagement réprimé. À l'époque, nous étions au lendemain de l'accord de la piste et vous aviez un gouvernement où siégeaient ceux qui avaient attaqué le pays. Et lorsque les manifestants ouais, ont été violemment dispersés au niveau de la caserne des sapeurs-pompiers au plateau et qui se sont repris à l'Yokoumon, vous n'avez pas perdu une minute. Malgré votre contraignant agenda du président de la République, pour nous retrouver au Mont Zafo de Yokoumon, où nous étions en train de penser les blessures des manifestants et de consoler les populations si durement éprouvées. Ce cas, d'humilité et de solidarité, vous avez encore profondément marqué. En 2005, pendant que vous étiez hors du pays, en Angola et au Rwanda,
les individus sans foi ni mémoire sont brutalement attaqués au nez et à la barbe des forces et contingents marocains et de Russie, de paisibles populations à Guinée-Bissau et à Bassis-Bolivie. Les hommes de 120 morts au milieu. Vous avez immédiatement interrompu votre voyage et vous êtes accouru en pays loin en juin 2005. Après avoir adressé des mots de consolation et d'espoir à cette population martyrisée, vous avez pris des mesures visant à sécuriser la région de l'Ouest. Ainsi, vous avez créé le gouvernement militaire et avez nommé à sa tête notre frère le colonel Pierre Bourreau, fils du pays. Les préfets et sous-préfets militaires que vous aviez nommés à la tête des différents départements de la région du Moyen-Cavalier ont quelque peu stabilisé notre région et ramené un peu de sécurité et de protection. Ce sont actés. Nous avons aussi profondément marqué. C'est pour tout cela qu'en 2010, le peuple ouest s'est déplacé massivement à Mama pour vous demander d'être son candidat à la présidence de la République. À cette élection présidentielle d'octobre 2010, le peuple ouest vous a voté massivement. C'est une des raisons majeures. Pour laquelle le peuple ouest a subi tous ces massacres que nous venons de l'accueillir et que nous avons de l'accueillir à Dieu. Monsieur le Président, vous ne vous êtes pas arrêté là. En 2017, alors que vous étiez en détention à la Cour pénale internationale, informé des souffrances et de la détresse du peuple ouest, depuis votre raison, en avril 2011, vous avez demandé à votre jumeau, le président Sankaré à Bassamama, d'effectuer une tournée de compassion dans le but du département Mouet. Au cours de ce passage, le président Sankaré nous a assuré que non seulement vous sortiez de prison, mais que vous avez annoncé que dès votre retour en Côte d'Ivoire, vous commenceriez vos visites aux régions, par la région du Cavalli et du Kémé. Ainsi, au moment où le peuple ouest était très disparu, un fier pour vous, c'est vous, qui depuis l'enfer à ce pays, pensiez plutôt à nous réconcilier. Mais le acte qui nous a profondément touchés. Et lorsque vous êtes entrés au Kémé, et que nous sommes allés vous saluer dans votre village à Mama, vous avez réitéré votre promesse de rendre une visite de compassion au peuple ouest. Et depuis le 17 avril, je l'ai entendu. Chez vous, vous communiez avec vos parents, vos frères, aux sœurs, vous nous apportez la paix, le réconfort et l'espoir en l'avenir. Par-dessus tout cela, vous avez proposé un des autres actes qui a marqué le peuple ouest. En effet, lors des élections législatives de mars 2021, nos populations ont eu une réaction que vous-même avez qualifiée de suisse. En vous donnant cette vidéo, ces résultats et les jours ont été obtenus malgré les expériences que nous avons produites, malgré les obstacles et autres stratagèmes mis en œuvre pour nous écouter et nous avons posé encore d'autres solutions. Au regard de ces résultats, nous avons décidé de nommer le professeur Hubert Ouray, député de Guinée-Bissau, comme président du parlementaire PDS. Enfin,
Vous avez créé le PPAC. Il vous a plu de nommer encore le professeur Hubert Ouraï, qui a été président du comité de contrôle de notre ancien parti de 2001 à 2021, comme président exécutif de ce parti. Monsieur le Président, vous avez honoré le peuple. Vous avez grandement honoré le peuple. Le peuple ouais vous en est infiniment reconnaissant. Le peuple ouais vous exprime sa profonde gratitude et vous assure qu'il soutiendra son fils Hubert Ouraï. Pour toutes les missions que vous lui confierez, en particulier de vous reconduire au palais présidentiel en 2017. Alors, merci, monsieur le président, pour ce grand geste à la grande victoire. Monsieur le président, après avoir exprimé ce que vous tenez à cœur dans ce message, il vous plaît de rappeler vos qualités qui vous ont amené à vous suivre ici les fonds. Il s'agit de vos qualités humaines et votre vision d'homme et de leader politique. Vos qualités humaines. Vous êtes un chef comme le web en avant. Vous incarnez les valeurs que le web aime retrouver en un chef. Ces qualités sont l'humanisme, la générosité, l'humilité, le courage, la loyauté, la fidélité, tout cela couronné par un sens élevé de la justice et de l'équité. Vos qualités vraiment politiques. Le monde est profondément démocratique. Or, vous êtes sans conteste le père de la démocratie dans notre pays. Et votre vision à la Côte d'Ivoire nous a convaincus. Et nous a séduit. Voilà pourquoi le peuple ouais vous suit. Voilà pourquoi nous nous suivons toujours en tout lieu et en toutes circonstances. Monsieur le Président, quand vous n'étiez pas là, il nous est arrivé beaucoup de malheurs, d'exactions, de persécutions. Et cela vous a été longuement regardé depuis le Parlement. Pendant toutes ces années, nous nous sommes posés des questions. Qu'avons-nous fait? Nous ne pouvons mériter un tel sort. Qu'avons-nous fait? Pour être une cible malmenée et martyrisée. Pourquoi tout se passe comme si ce qui nous est arrivé était passé par perte et profit depuis 10 ans? En tant que citoyens de ce pays, vous les voyez avoir les mêmes droits que n'importe quel autre citoyen de ce pays. Au regard de tous ces malheurs qui nous sont arrivés, de ces massacres, nous sommes en droit d'attendre de l'État une juste compassion, qui s'intéresse à notre peuple, qui donne à penser qu'il n'y a pas de géométrie variable dans le traitement des citoyens de ce pays. Nous sommes dans cette attente depuis maintenant 12 ans et nous n'aurons pas le temps de le faire. Monsieur le Président, le peuple ouais attend que la lumière soit faite sur les raisons des massacres et du génocide qui a suivi. Le peuple ouais souffre aujourd'hui de l'occupation forcée de ses terres. Nous attendons que l'État prenne des mesures afin que la justice soit rendue à notre peuple. Nous attendons que notre peuple soit réhabilité, qu'il soit rétabli dans ses droits, dans sa dignité, dans son honneur et dans ses terres. Et comme c'est vous, Monsieur le Président, qui vous connaissez, nous serions infiniment reconnaissants de tout ce que vous pourriez faire afin que le peuple ouvrier retrouve la paix du cœur et de l'esprit. Cela passe par des réponses justes et équitables à nos préoccupations et à nos attentes.
celles-ci ont été formulées dans un document intitulé « Les 3 heures » que nous allons relever tout à l'heure. Les 3 heures, ça veut dire reconnaissance du génocide humain, première, réparation des torts et préjugés, deuxième ère, réhabilitation du peuple humain, troisième ère. Le peuple humain est d'accord pour la réconciliation nationale, mais dans la vérité et dans la mise en œuvre des 3 heures, monsieur le président, c'est vous et vous seuls qui pouvez sauver le peuple humain et la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi le peuple humain vous demande de vous apprêter pour la reprise du pouvoir d'État en 2025. Et bien cela, le peuple humain vous soutient aujourd'hui et vous soutiendra demain. Je vous remercie. Ainsi terminé l'allocution, les scènes, Madame Sekongo, au nom du peuple de Ubi et de Fakoli, notons que la SN, Madame Sekongo, est fille du département de Kubli, dans la région du Guémon. La prestation de Nelly Jett, fille du Guémon, précisément du village de Thiébi dans le département de Bangolo. Notons également que Nelly Jett est fille également de Datouzon, de Bassamère, d'où est issu également votre serviteur Van Bao, que je suis. Donc en quelques mots, c'est ma fille qui chante maintenant et j'en suis fier. Et c'est une fierté aussi pour nous qui sommes ouais. Thank you.
pour l'artiste. Voilà, terminé la prestation de l'artiste reggae Lady Jet, fille de la région du Guémon. On va voir la prestation d'un second artiste de la région. Allez, Manon, nous allons maintenant à la suite de Lady Jet. Allez, Manon. Ici, on va juste annoncer de partir là maintenant
et les restes seront portés à la raison du président Laurent Gbagbo ce soir. Mais avant, je voulais lancer un don spécial du maire d'éducation qui offre 6 complets de paille, dont 2 pour madame Maman Nani Boma et 4 autres pour les femmes 4 du parti de Savoie, madame Odette Lorignan, Odette Soué, Koudou, Jeannette et madame Adjassi. Le maire offre également 10 poupous pour le dirigeant du parti, à savoir Danon Djeké, Kone Katina, Kyoté Narcisse, Ousmane Sissavane, Damana Picas, Michel Babo, Fokuri Koï, Loku Vincent, Docteur Blé et Docteur Issa Malik Koulibaly. Je n'ai pas fini. Le maire a le grand cœur. Il offre un peu pour le président Gbagbo et un bélier à Maman Nani pour la purification. On le marche le maire de l'éducation, s'il vous plaît. Le maire de l'éducation, maire de tout. Si les dons sont faits, du côté des dons, est-ce qu'on est prêt? Voilà, comme vous venez de l'entendre, c'est le maire Denis Cassion qui vient de faire notamment tous ses dons à l'endroit du président Laurent Gbagbo et de son épouse, madame Nani Bamba, et tous les dignes femmes du PPACI et également au cadre du PPACI. Notons qu'actuellement ici à Guiglo, c'est vraiment très émouvant, mais comme déjà vous êtes en ligne avec nous, vous sentez déjà la chaleur militantisme et la chaleur d'accueil qui a été réservée par le peuple ouais au président Laurent Gbagbo, ici même à Guiglo. Eric Mourou, président de l'AIAD, s'il vous plaît. Merci, j'attends, monsieur le ministre. Salut, Mato. Monsieur le président de la République, monsieur le président Laurent Gbagbo, les cadres et populations du Moyen Cavali et du Piémont, comme le dit la tradition, vous offrent également suivant. Je commence d'abord par le canton Flairot, canton originaire du ministre Hubert Oulaye, qui vous offre un bœuf et 2 sacs de riz local. Ensuite, les cadres du Jacques Brao, canton du ministre Émile Kyoru, vous offre un bœuf. Les deux parents du président Laurent Gbagbo, parents de Viviane, épouse de Michel Gbagbo, offre au président Gbagbo un bélier blanc, un bouton blanc, 2 pailles à sa sœur Koudou Jeannès, un bouton pour notre beau-fils Michel Gbagbo et 2 morceaux de paille pour notre fille Gbagbo Viviane. Et enfin, un bouton au ministre Hubert Oulaye et un sac de riz et 50 francs au président Laurent Gbagbo. L'ambassadeur Vignon et son épouse offrent un bœuf au président Gbagbo. Et je termine enfin, les cadres de tout le peuple offrent un bœuf au président Laurent Gbagbo à lui remettre à Mama. Les autres dons vous seront détaillés ce soir à la résidence. Je vous remercie. Merci. Voilà. Merci. Terminé la phase des dons qui a été faite au président Laurent Gbagbo à sa délégation et à toute sa famille. Comme je disais, il y a tellement de dons
que sur nos les cités, on passera la soirée ici, du coup, le reste des temps va être transféré à la résidence du président de Mbago pour ce soir, en espérant qu'il y aura assez de place pour recevoir autant de dons. En attendant, je vais aller voir ça avec l'artiste Amoura. Voilà le SG à Simagnéné Bilo Daniel, président de la commission logistique du parti, qui est juste debout à côté du protocole du président Laurent Gbagbo. Ce qu'il est bien de savoir, c'est que toute cette logistique a été mise en place pour l'occasion de cette cérémonie, a été l'œuvre de ce grand homme, fils de Bangolo, précisément de Koya, dans la région du Guémon. Président de la commission logistique du parti, le PPAC, parti des peuples africains et Côte d'Ivoire, membre également du cabinet du président Laurent Gbagbo. Excellence, Monsieur le Président Laurent Gbagbo, président du PPACI. Voilà le président exécutif du parti des peuples africains Côte d'Ivoire, l'honorable Hubert Oulahi Marc Arthur, ancien ministre de la fonction publique de Côte d'Ivoire, devant tous mes parents. Et aujourd'hui, député également de Guiglo. Par la suite, il y aura un don spécial que cette dame en blanc vous remettra. Excellence, Monsieur le Président de la République, je vais énumérer quelques dons, mais pour vous, il n'y a pas de don que je puisse vous offrir. C'est ma vie que je dois vous offrir. Vous avez été tout pour moi. Vous avez fait de moi ce que je suis. Sans vous, je serais resté un professeur anonyme. Grâce à vous, je suis aujourd'hui député, ministre et président exécutif du PPAC. Ce que je vais énumérer ici est tout simplement symbolique. Monsieur le Président, je voudrais, avec ma famille, vous offrir deux bœufs blancs. Trois bougous de chèvre, trois bougous blancs, trois kitas et deux fauteuils de chèvre. Qui symbolise votre retour au pouvoir en 2027. Monsieur le Président,